ce qui frappe, c'est une façon de travailler aussi, parce qu'il ne faut pas laisser échapper ses outils ou son micro, par exemple, parce que sinon on le retrouve à un endroit complètement différent de là où on l'avait laissé. Mes partenaires d'expédition sont des vétérans, donc ils connaissent ça par cœur, ils m'aident beaucoup. Et voilà, au bout de quelques jours, je suis super content d'être là et on a déjà commencé à bien travailler depuis lundi. C'était vraiment quelque chose d'exceptionnel, un événement incroyable, autant pour les adultes que pour les enfants. Et un projet très très riche pour travailler dessus. On lui a posé des questions et il a essayé d'y répondre. Et il nous a montré des petites expériences, comment il touchait l'eau avec une espèce de raquette, il la faisait bouger, c'était comme une bulle. Et une pour le traitement de l'eau qui faisait partie des activités d'hier. Il y a aussi un dosimètre actif qui est juste là à mes pieds. Partout autour de nous, c'est des équipements scientifiques, donc c'est à ça qu'on s'occupe la plupart du temps. Quand j'ai appris qu'il est allé dans l'espace, j'étais passionnée. C'est pour ça qu'on a vraiment travaillé sur le côté exceptionnel. Donc un astronaute français dans l'espace. Donc c'est le quatrième qui va sur la station, donc c'était vraiment important. Et surtout pour une mission de 6 mois, c'est la première fois que ça dure aussi longtemps. Donc on a vraiment insisté sur le côté exceptionnel et sur le fait qu'en plus, il donne la possibilité aux enfants de pouvoir le suivre. Avec les conférences, avec les photos qu'il met sur Internet, voilà, avec tout ce qu'il met aussi sur les réseaux sociaux. Donc il permet vraiment de pouvoir le suivre au jour le jour. Est-ce que tu as visité la Cité de l'Espace avec l'école ou avec tes parents ? Mes parents. Et qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait des jeux, des quiz, on a vu des expériences qu'ils ont fait, par exemple pour boire, si on boit avec un verre normal, quand tu bois, ça va remonter de l'autre côté, il va y en avoir partout de l'eau, donc du coup il faut boire dans une tasse spéciale. Aussi les toilettes c'est une sorte de tuyau avec un réservoir. Et puis parfois aussi, il y a aussi des connes et des réparations. Et par exemple, on a passé une bonne partie de la journée aussi, c'était pas prévu, à réparer les toilettes qu'on cassait dès le deuxième jour. Bon, ça, c'était un peu la tuile. La partie espace n'a pas pu être traitée dans son intégralité puisque c'est au programme de CM2 et donc là c'était des élèves de CE2 et de CM1, mais par contre il y a eu un travail sur toutes les expériences autour de l'eau qui était en lien avec ce qui s'est passé dans l'ISS. Et ensuite on a eu beaucoup un travail aussi important sur l'enseignement moral et civique puisque Thomas Pesquet est ambassadeur de l'UNICEF et donc du coup c'était aussi sa façon à lui de montrer les problèmes d'eau qu'on pouvait trouver sur Terre et qui empêchaient certains enfants d'accéder aux apprentissages, d'accéder à l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et aussi les maladies qui pouvaient faire la mortalité infantile importante un petit peu partout dans certains pays, certaines zones du monde. Ah pardon, oui, non, j'avais pas entendu. Je dors très très bien, je dors comme un bébé, en fait c'est super agréable. Oui, c'est bien, parce que du coup il apprend des choses de lui-même, donc pas des livres. Donc du coup il nous apprend vraiment ce qu'il a fait dans les livres, parce que dans les livres c'est pas forcément ce qu'il a fait. Et là c'était vraiment ce qu'il avait fait et tout ce qu'il avait vu, donc c'était bien. Tu peux faire astronaute ? Non, il faut faire des études. Il faut faire des études. Mais si tu fais des études, est-ce que tu peux y arriver ? Oui. Même quand on a dit les astronautes qui étaient partis dans l'espace, ils n'avaient pas du tout de notion de... Donc c'est pour ça que je trouve que c'est important au niveau culturel, vraiment, de remettre les choses. On repart un peu en arrière, on parle de ceux qui ont été avant. Alors pas que les Français, hein, parce que bon, forcément, à part ceux qui ont marché sur la Lune après... Voilà, eux, ils ont retenu les deux qu'on marchait sur la Lune après. Donc voilà, que dire que les Français sont aussi allés, qu'on fait des expériences, que ça sert pas que pour l'espace, que ça sert aussi pour ce qui se passe sur la Terre. Voilà, c'est pas... Voilà, tout ce qui est fait dans l'espace, ça sert aussi pour faire des choses sur Terre. Et ça, les enfants ne l'ont pas en tête, il faut l'expliquer. Il faut mettre en place que, voilà, on part pas dans l'espace comme ça et hop, on va s'amuser, quoi. C'est vraiment pour travailler qu'il est parti.